quelques instants et on repart. Est-ce que ça marche Décidément, la technique aujourd'hui n'est pas de notre côté. C'est bon, on va pouvoir repartir. Je disais 55% des salariés en Europe, ça c'est un chiffre très intéressant pour une entreprise comme la nôtre qui fait, euh, qui est euh, l'industrie, en B2B. 22% en Amérique du Nord, 23 en Asie et dans le reste du monde, 1800 chercheurs euh, et 16 centres de recherche. Alors, ça, je voudrais faire un petit focus là-dessus parce que c'est très important. On dit que la recherche, chez Arkema, c'est l'ADN de notre société. Euh, imaginez un vélo qui n'avance plus, eh bien, il tombe. Donc, on est obligé, pour prendre cette métaphore, de continuer à pédaler pour garder l'équilibre. Si jamais Arkema arrête d'investir dans sa recherche, mais ce n'est pas le cas, on va continuer à investir dans notre R&D, euh, on, on, on ne resterait pas quelques années encore euh, en vie. Donc, on est obligé, euh, et grâce à nos chercheurs qui se lèvent tous les matins pour se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir inventer, quel nouveau matériau euh, qui va être en adéquation avec euh, la planète va-t-on va pouvoir inventer. Euh, un chiffre, quand même, qu'il faut retenir l'an dernier, 244 brevets ont été déposés. Euh, alors, ça, c'est quand même assez intéressant parce que ça nous place parmi les 100. À 200 entreprises les plus innovantes au monde chaque année, donc 200 entre 200 et 250 brevets déposés chaque année, et 92% de ces brevets sont directement liés au développement durable. Alors, qu'est-ce qu'il y a parmi ces brevets? On va travailler énormément sur l'allègement des, matéri des matériaux, on va euh, proposer des matériaux pour le, pour le transport, pour le transport euh, euh, terrestre, pour les voitures, pour les camions, pour les bus. Euh, un exemple, si vous baissez de 100 kg le poids d'une voiture, vous gagnez immédiatement 0,4 litres au 100 et vous gagnez aussi vous gagnez, euh, 10 g de CO2 par kilomètre. C'est énorme. Euh, voilà, donc Arkema, aujourd'hui, si vous voyez un logo qui part du bleu vers le vert, c'est parce qu'on est à fond dans les matériaux euh, sustainable. Euh, vous avez vu notre, base, euh, notre baseline. Innovative material for a sustainable world. Le euh, c'est des adhésifs, des coatings, des matériaux avancés. On a à peu près la seule boîte capable euh, parmi nos pairs de proposer euh, ce, ce, cette, ce triptyque. C'est très intéressant. On est capable de faire des, à la fois des matériaux avancés, des adhésifs qui, qui vont coller ces matériaux avancés et des coating solutions, grosso modo, des revêtements qui vont protéger euh, ces, ces objets pour que ça dure plus longtemps. Arkema, c'est de la mobilité propre. Euh, on travaille pour l'urbanisation, pour l'environnement, pour l'industrie. Ah, pardon. Euh, et euh, aussi euh, ce qu'on appelle lifestyle, par exemple, on est très très présent dans le sport. Juste un chiffre 80% des médaillés des derniers jeux de Tokyo avaient sur eux des produits Arkema. Alors, pourquoi maintenant on est dans le vif du sujet Pourquoi développer euh, la médiation scientifique dans une boîte comme la nôtre, une boîte de, de B2B, de business to business euh, On pourrait se dire que euh, ce n'est pas important que monsieur, même tout le monde connaisse Arkema et on s'est rendu compte que si, finalement, c'était très important. On va voir pourquoi euh, pour faire, bien sûr, en premier lieu, de la pédagogie auprès des salariés. Un jour, une, une salariée de chez nous, qui travaille en compta, je crois, est venue me voir et m'a dit Vous savez, ça fait 30 ans que je travaille dans cette boîte. Ça fait 30 ans que je travaille, je ne comprends pas trop ce qu'on y fait, et ça fait 30 ans que j'essaie d'expliquer à mon mari, mais il comprend encore moins. Et je lui ai montré vos vidéos et il a tout compris. Et moi-même, j'ai tout compris. Donc ça, voilà, au moins, ça sert cette vertu-là, et c'est très, très important. Euh, parmi euh, les 17 000 visiteurs qu'on a eu à l'atelier 4.20 depuis euh, maintenant euh, plus de 5 ans, 5 ans et demi, euh, un tiers, plus d'un tiers des, salariés, des visiteurs sont des salariés d'Arkema. Pour, bien sûr, une meilleure compréhension de ces activités, vous savez, quand on fait de la chimie et des matériaux, on peut ne pas être compris. Et donc... Euh, voilà, moi, une partie de mon boulot, c'est de dire euh, attendez, ce n'est pas grave. Je vais vous expliquer euh, simplement euh, comment on fait une polymérisation, comment on fait une dépolymérisation, comment on est capable de transformer une pâle d'éolienne en petit granulés pour revenir à nouveau à une pâle d'éolienne, comment on peut filtrer de l'eau euh, au nanomètre, quasiment, pour transformer une eau croupie en eau potable en moins de 30 secondes. Voilà, c'est grâce à des matériaux euh, qui sont fabriqués chez nous. Bien sûr, pour une meilleure acceptabilité de ces produits et de ces solutions, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, euh, on est quelquefois mal compris. Et pour ça, il faut communiquer. Communiquer avec les journalistes, communiquer avec les salariés, communiquer aussi avec les voisins des usines. La semaine dernière, j'étais euh, aux 60 ans d'une de nos usines à Mont. Dans les Pyrénées-Atlantiques, et euh, on avait invité les voisins à venir euh, pour qu'ils comprennent un peu l'activité dans cette usine qui reste la majeure du temps fermée, des journées portes ouvertes qui permettent à tout le monde de comprendre ce que fait Arkema. Et puis, bien sûr, pour renforcer euh, son attractivité, je rappelle qu'on embauche environ 2000 personnes. En gros, hein, ça, fl ça fluctue un peu, mais 2000 euh, nouveaux salariés euh, tous les ans. On a besoin de talent. On est pris dans, une, on est pris dans, un, dans une, une, une espèce de contradiction où on a besoin de nouveaux talents et malgré tout, on n'est pas assez attirant. Donc, il faut renforcer l'attractivité pour que les jeunes qui sortent de l'école se disent. Et si j'allais travailler chez Arkema, c'est vrai que j'ai vu, euh, vu leurs solutions, j'ai vu leurs produits, j'ai vu euh, leur RSE, leur, euh, la responsabilité sociétale en entreprise, euh, et ça me plairait bien de travailler chez eux. Voilà. Donc, on communique là-dessus pour renforcer notre euh, attractivité. Alors, quel outils on a choisi vous imaginez que pour on sait pas on, on, on s'est pas dit un jour allez voilà on va créer un peu de, 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 de médiateurs scientifiques mais euh, on n'a pas d'outils donc avant de créer ça bien sûr on a créé des outils et au fur et à mesure on a étoffé ces outils les outils ça permet de communiquer de montrer facilement euh, ce qu'on fait ça permet d'expliquer euh, de vulgariser la science des matériaux. Et parmi ces outils, on a bien sûr un super showroom. Si vous l'avez pas visité, je vous invite vraiment à venir le voir, qui s'appelle l'atelier 4.1. Il s'appelle l'atelier 4.1 puisqu'on est situé aujourd'hui au 420 rue d'Essendorf. Donc comme vous le voyez, vous avez une photo de ce, de ce showroom. Non seulement il est très graphiquement, euh, euh, il est beau, mais il permet en une heure d'expliquer... Euh, d'expliquer nos matériaux d'une façon très pédagogique, euh, d'expliquer comment marche une batterie, d'expliquer comment on, on arrive à transformer une plante en huile, en monomère, puis en polymère. Et ce polymère va devenir des chaussures de foot, ce polymère va devenir des coques de smartphone, ce polymère va devenir des bols de blender pour bébés. Euh, voilà, on va faire tout un tas de, euh, de, de, de produits finis grâce à ce polymère biosourcé. Et ça, ça s'explique à l'intérieur du showroom. Et puis, au fur et à mesure, on l'a étoffé, ce showroom. On lui a amené des nouveaux outils, notamment des outils digitaux. On a notamment euh, développé un mur digital qui est exploitable non seulement à l'intérieur du showroom, mais n'importe quel salarié peut cliquer sur un lien et avoir sur son, sur son, euh, sur son écran, sur euh, une projection, euh, peut avoir cet outil. Donc euh, euh, sur un forum d'étudiants, sur euh, en, en, en clientèle, dans un, dans un, dans un salon, euh, dans, un, dans un showroom déporté, on peut avoir toutes ces informations. Donc voilà, aujourd'hui, euh, on n'arrête pas le temps. Euh, il est un peu à, à, à l'instar de notre innovation. Ce showroom, il évolue euh, tous les ans. Tous les ans, il évolue. Alors, j'ai un petit, un petit euh, scoop. Euh, on m'a demandé euh, de travailler sur un nouveau showroom qui sera prêt euh, au premier semestre 2025, car on va déménager à La Défense. Donc, euh, save the date. Euh, dans quelques mois... Euh, vous aurez la chance de, de voir et de visiter un, un showroom 2.0 encore plus beau et encore plus euh, pédagogique. Parmi ces outils, on a aussi des vidéos. Alors, je vous invite euh, pas tout de suite hein, après la masterclass. Je vous invite à aller euh, sur YouTube euh, et de taper tout simplement Inside Materials sans le E et euh, e accent aigu. Euh, et euh, vous allez avoir euh, tout un tas de vidéos, des vidéos pédagogiques pour expliquer nos principales euh, innovations. Donc voilà, ça c'est un des outils. Euh, ça prend pas mal de temps. Il faut écrire, il faut tourner, il faut monter. Mais on a trouvé que c'était c'était un super outil pour euh, l'extérieur, pour les salariés, pour, euh, pour nos clients, pour nos prospects, pour les investisseurs, euh, de faire, de développer ces vidéos sur euh, nos principaux euh, marchés. on a aussi, euh, parmi ces outils, on a des, on a des interviews et des. Euh, et des émissions télé, oui, j'ai eu la chance de participer, par exemple, entre autres, à, on a fait une émission E égale M6 avec Mac Lesguy, euh, spécialisée sur les cols, et Dieu sait que nos amis de chez Bostik développent des cols qui sont, euh, je vais le dire, un cran au-dessus de tous les adhésifs construits dans ce monde, des cols qui ont toujours un dénominateur commun, c'est euh, être propre le moins de COV possible. Les COV, ce sont les composés organiques volatiles. Euh, on dit souvent qu'une maison est, ou un appartement, l'intérieur est 5 à 10 fois plus pollué que l'extérieur. C'est à cause de ce COV qu'on retrouve dans les revêtements, dans le sol, dans les cols, dans les produits ménagers, dans les peintures. Eh bien, nous, on essaye, de, euh, dans la mesure du possible, de baisser ce taux de COV pour avoir quelquefois des taux euh, complètement neutres en composés organiques volatils. Les conférences. Alors les conférences, c'est très sympa. Ça permet devant un public. Euh, alors, c'est plus, plus facile pour moi de faire une conférence euh, comme celle-ci euh, devant des gens plutôt qu'une masterclass devant une caméra. Mais <laughs> ce sera pour une autre fois. Euh, ces conférences permettent euh, de faire la preuve par l'objet. J'appelle ça, on prend des... Là je tiens dans la main une, une, une basket. Une basket euh, qui est 100% recyclable et 100% recyclée. Je crois que c'est… On, on est dans un monde… On, est, on cherche tous à décarboner. Euh, Arkema s'est engagé à l'horizon euh, 2030 à baisser de 48% ses émissions de gaz à effet de serre, ce qui est gigantesque. Et parmi ces solutions, voilà, on a une… Euh, la, 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 la basket que je tiens dans la main à entièrement été faite avec des, poly des polymères biosourcés. Grosso modo, ben, on prend des plantes et puis on fait des polymères avec. Voilà. Et tous les six mois, cette chaussure est broyée, on en a une nouvelle et avec le résultat de ce broyage, on refabrique une chaussure neuve. C'est un, 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 un euh, une nouvelle façon de voir le monde. Euh, arrêtons de piocher éternellement dans les ressources de notre planète et puis voyons les déchets comme une opportunité. C'est un peu ce qui se passe, c'est complètement ce qui se passe chez Arkema. C'est prendre les déchets, leur donner une valeur et refabriquer quelque chose avec. Parmi ces outils, bien sûr, il y a un compte euh, LinkedIn, mon compte personnel LinkedIn. Je suis fan de science. Et euh, si vous êtes euh, suffisamment curieux, vous aimez la science et vous n'avez pas en envie de vous, trop vous prendre la tête, rejoignez-moi sur ce compte euh, euh, LinkedIn où j'explique pourquoi un trou noir est noir, pourquoi il y a des éclairs dans le ciel, à quoi ça sert un, un logarithme n'est pas rien. Euh, mais tout ça comme, euh, avec, euh, comme si on, un enfant de troisième pouvait comprendre. C'est mon leitmotiv. J'essaye de... D'expliquer les choses pour qu'un enfant de troisième puisse comprendre. Euh, ça, c'est. Euh, je, je, je suis très investi là-dedans et bien sûr, de temps en temps, quand même, je parle des matériaux Arkema, bien sûr. Et puis, parmi ces outils, des visites sur nos usines, j'en parlais tout à l'heure. Euh, c'est toujours très agréable d'aller. Il ne faut jamais oublier que nos produits sont fabriqués. Dans des usines, par des gens, par des humains, et que ces gens euh, ont besoin euh, qu'on s'occupe un peu d'eux de temps en temps. Et donc, j'ai toujours un grand plaisir à aller rendre visite à ces, euh, à ces salariés qui sont quelquefois un peu loin. Là, en l'occurrence, la photo que vous voyez, c'était à Pau, à Pau euh, en, dans notre usine de Mont. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Euh, quelques exemples qu'on a fait depuis euh, ces cinq années. Des euh, vidéos. Des vidéos euh, qui, alors là, je vois, il y a plus de 1000 likes, c'est des vidéos qui, qui marchent très très bien. Euh, des rencontres. Là, je suis avec Bertrand Picard. Alors, pour la petite anecdote, sachez que le monsieur qui est à gauche sur la. Sur la, sur la photo c'est le grand-père de bertrand piccard et hergé a pris ce personnage comme modèle pour faire le professeur tournesol et donc quand vous regardez bien vous trouvez une certaine ressemblance avec ce monsieur et j'ai discuté donc et j'ai passé une matinée euh, très intéressante avec le petit-fils de euh, du professeur Tournesol, Bertrand Picard, qui, je le rappelle, a fait le tour du monde avec un avion qui s'appelle Solar Impulse et qui était complètement autonome en, en électricité grâce à des panneaux solaires. Mon métier, c'est aussi des rencontres avec des institutionnels, des politiques. On voit ici à gauche, je suis avec le président du Sénat, euh, Gérard Larcher. Euh, je suis avec Madame, euh, Madame. Euh, Unehée et à droite, je ne sais plus comment s'appelle ce personnage. Si c'est le président Emmanuel Macron, bien sûr. J'ai rencontré notamment grâce à, à, à BPI France beaucoup de, de responsables politiques. C'est toujours important de nous faire connaître auprès des politiques, puisque euh, Arkema est un grand employeur, mais Arkema est aussi euh, une pépite, encore une fois, je le dis, une pépite française, et euh, c'est bien de temps en temps de, de le rappeler. Ça, ah, ça fait partie des. Euh, voilà, le, le genre d'outils qu'on peut. Euh, pa pa pardon, le, le genre d'exemples qu'on qu peut citer. Euh, ça, c'était au GEC, le salon euh, des composites. Cette photo euh, a fait l'objet d'un d'un poste, LinkedIn, et on peut voir en bas, euh, je crois, 500 000, près de 500 000 euh, vues et plus de 5000 likes. Donc, vous imaginez euh, la puissance des réseaux sociaux. Euh, on parle directement à 500 000 personnes. Et ça, il y a quelques années, ce n'était pas possible. Mais euh, voilà, il faut développer euh, tous ces outils, il faut euh, développer euh, tout ce savoir-faire pour euh, arriver à ce genre de résultats. Il y a aussi euh, des rencontres très, très sympas. Euh, là, c'était euh, aux Olympiades euh, de la Chimie, rencontre avec des jeunes. Euh, qui, euh, qui sont notre avenir hein, et qui développent, des, euh, qui développent des, des, des nouveaux procédés, des nouveaux produits. Et là, en l'occurrence, c'était animé par Fred. Vous vous rappelez de, de Fred et Jamie Donc voilà, sur la même photo, vous avez Fred et Fred. Et puis. Euh, des visites bien sûr euh, à l'atelier euh, 4.20 avec encore euh, une fois des, des vidéos et tout ça fait que euh, sur les réseaux sociaux sur, euh, on peut citer aussi bien sûr il faut les citer les réseaux sociaux d'Arkema euh, aller faire un tour c'est passionnant tous les jours il y a des nouvelles des, des nouveautés sur le sport euh, on est très impliqué dans le sport euh, sur les réseaux sociaux, bien sûr euh, traditionnels. Il hein, n'y a pas que, il y a bien, bien sûr LinkedIn. LinkedIn, il y, y a YouTube, il y a euh, Instagram, euh, Facebook. Donc euh, sur tous ces réseaux sociaux, vous pouvez, euh, vous pouvez bien sûr vous abonner et vous serez au courant en premier euh, de, toutes, de toutes les nouveautés qu'on peut faire euh, chez Arkema. Alors, on arrive à la, à la conclusion. Euh, cette conclusion, c'est... Après, on verra les, les questions-réponses. Est-ce euh, qu que, est -ce, que, euh, est -ce, que cette, ce nouveau poste de médiateur scientifique a apporté quelque chose à la communication d'Arkema Oui, sans aucun doute. Et j'invite... Euh, alors, si ça fait euh, naître des vocations euh, chez certains d'entre vous, tant mieux. Un jour, je, je ne serai plus, je ne serai plus là. Donc, euh, <laughs> si vous voulez euh, euh, tenter votre chance pour devenir médiateur scientifique, c'est un métier passionnant, passionnant. On ne compte pas ses heures, mais c'est passionnant. On, on ne peut pas faire ce métier si on n'est pas, de toute façon, passionné. Euh, il faut sans cesse euh, s'informer. Il faut sans cesse euh, être euh, une espèce de veille permanente sur la science sur euh, la façon de raconter la science il faut euh, il faut aussi euh, rencontrer les gens il faut parler avec les salariés il faut parler avec les avec les, les, les clients, avec les fournisseurs, avec euh, les partenaires, avec les associations. Et euh, on dit souvent, vous savez, la communication, c'est rabâcher, rabâcher, rabâcher. C'est un peu euh, ce que je fais. Mais si un jour vous venez, euh, euh, vous avez la chance de visiter l'atelier 4.20 en ma présence, vous verrez qu'il n'y a pas une visite qui se ressemble car j'essaye toujours euh, d'apporter quelque chose de différent. Donc voilà, j'espère que vous en savez un peu plus sur ce magnifique métier qui est euh, le métier de médiateur scientifique. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux, je vous invite à nous suivre sur... Euh, Allez voir les vidéos sur YouTube. Euh, venez nous voir, on est ici présent au Big et on a fait une, un petit showroom sur lequel on explique, euh, on explique comment, comment on peut filtrer de l'eau, comment on peut être présent dans les smartphones, notre implication dans le sport, notre, tout ce qu'on fait autour du 3D printing. On fabrique beaucoup de, de matériaux pour de, le 3D printing. Euh, venez nous rejoindre, on se fera un plaisir. Je me ferai un plaisir avec, euh, avec mes collègues qui sont sur le stand de vous accueillir et, euh, et de vous expliquer tout ça. Merci de votre écoute. On va passer, si vous le voulez bien, si jamais il y a des questions. Juliette, y a-t-il des questions Il n'y a pas de questions, mais nous, nous, avons des questions à te poser. Très bien. Oui. Voilà. Alors, euh, quel défi Arkema euh, a t il rencontré pour rendre ces concepts industriels accessibles au grand public? Là, c'est plus des questions portées sur Arkema pour euh... Quel défi Arkema a-t-il rencontré pour euh, en fait pour, euh, pour pouvoir expliquer simplement? Oui. Euh, le principal défi qu'on a rencontré, c'est le fait que ça peut devenir très vite compliqué la science des matériaux. on va parler de nanomètres. on va parler de nanostructures. on va parler de, de polymérisation. on va parler. et donc le principal défi, c'est de, de trouver un langage commun euh, à tous. et ça, c'est pas facile du tout. trouver un langage commun entre un élève de troisième et un cinquième année de polytechnique. c'est pas. Euh... donc on a développé tout ça à travers des vidéos, à travers les outils que, que je vous ai montrés. Euh, à travers aussi un gros travail de communication qui a été fait par euh, l'équipe de Gilles Galignier, qui est le responsable, euh, le responsable no notre patron, le responsable de la com d'Arkema. Un gros gros travail euh, de, de com sur tous les pôles le pôle image, le pôle event et le pôle édito. Euh, voilà, on a on a, on a géré peu à peu tous ces problèmes. Euh, qui ne sont, qui sont pas faciles. Et aujourd'hui, on est capable quasiment d'expliquer nos matériaux, nos innovations et nos solutions de façon assez simple. J'ai une question de Patrick Martin. Pouvez-vous présenter votre parcours professionnel et ce qui a, vous a amené à devenir médiateur scientifique Alors ça c'est une super question parce que il y a des boîtes qui ne permettent pas cette évolution dans euh, dans la vie. Arkema est l'exemple type de la de la société, de la de, de l'industrie, enfin de la de la société qui permet de euh, de, de propulser. Euh, et de, de faire changer euh, de, de métier. Moi, j'ai commencé dans, dans un centre de recherche à Verneuil il y a très longtemps, <laughs> où on m'a embauché pour dessiner. Euh, J'avais une formation de de fabrication mécanique, euh, résistance des matériaux euh, et puis je m'étais spécialisé en informatique à l'époque et donc on m'a embauché pour faire tourner une grosse machine à l'époque euh, que personne ne savait faire tourner pour dessiner des plans d'unités de fabrication de génie chimique. Euh, C'était un gros travail, je lui ai passé des heures et des week-ends et euh, j'étais content quand mes premiers PID, on a des plans d'implantation, des plans de, sont sortis de cette fameuse machine. Euh, et ça a été une super école parce que ça m'a permis de comprendre comment marchait euh, l'industrie chimique. Ça me permettait de comprendre comment on calculait un échangeur, comment on calculait un réacteur. Ça m'a permis de, de, alors les discussions au café euh, de, ce, de cette direction technique étaient complètement lunaires. On expliquait pourquoi le soleil était plus rouge avec des équations euh, le soir que le, que le matin. Et donc ça, ça, ça a été vraiment mon entrée dans la société. Ensuite, comme j'avais une spécialisation informatique, on m'a demandé de m'occuper pendant une dizaine d'années d'un site et de toute l'informatique d'un site industriel. C'était aussi passionnant. Puis plus, après j'ai évolué, je suis allé au siège, je suis allé voir les, les, les grands du siège du siège social, et là je me suis euh, j'ai continué un peu en informatique et très vite euh, on m'a proposé une place en RH. Qu'est-ce que fait quelqu'un qui est passionné de science en RH Il n'y a pas de sous-métier, il y a pas de sous-métier, sous c'est très très intéressant. Si vous saviez d'ailleurs toute l'innovation qu'Arkema fait euh, en, en RH, c'est euh, c'est incroyable. Euh, et après cette période en RH, euh, Gilles Galigné, le patron de la com, m'a appelé en me disant Dis donc, avec euh, ce que tu as fait, avec tes, ton bagage, avec, euh, ton, avec ton passé, ce serait intéressant que tu viennes, euh, tu viennes euh, travailler avec nous. Très vite, on a fabriqué l'atelier 4.20 très vite, euh, on, j ai, j ai, j ai, je me suis plongé dans ce projet et très vite, euh, j'ai. Euh, j'ai travaillé pour pouvoir expliquer simplement, voilà mon parcours, mon parcours, euh, donc c'est grâce à Arkema tout ça, hein. si un jour vous rentrez chez Arkema, sachez que vous pouvez rentrer euh, ingénieur procédé et finir euh, patron euh, d'une usine, d'une BU, ou, 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 ou peut-être même euh, être, être au comex d'Arkema. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, est-ce qu'il y a une vulgarisation scientifique est-ce que ça se dit Oui. Parce que déjà, ce que c'est la vulgarisation scientifique Et après, comment, par exemple, la vulgarisation scientifique a-t-elle affecté la perception des produits d'Arkema par les consommateurs Alors, c'est une, une bonne question. Alors, euh, imaginez que vous ouvrez votre robinet et euh, vous buvez de l'eau. OK. C'est un geste machinal, tout le monde le fait. Mais si vous visitez l'atelier 4.20 et vous comprenez que cette eau, un litre sur deux que vous buvez au robinet, est filtrée avec une solution membranaire, ça change complètement euh, cette, euh, ce regard sur ce geste machinal que vous faites tous les jours. Et vous comprenez que cette eau, elle est passée par un filtre avec une maille de 10 à 50 nanomètres. C'est extrêmement petit. 10 nanomètres, c'est 10 000 fois plus fin que l'épaisseur d'un cheveu. Donc imaginez qu'on est capable, grâce aux innovations d'Arkema, de faire des mailles d'un filtre, d'un filet, qui font 10 nanomètres et qui laissent passer l'eau, mais qui ne laissent pas passer les bactéries, qui ne laissent pas passer les virus, euh, les boues, euh, les sédiments, et qui vous permettent sereinement de boire cette eau. Donc oui, et, euh, en expliquant... Ça, c'est un exemple, hein, mais il y en a des, il y en a des dizaines. Euh, si je vous dis qu'aujourd'hui, vous prenez une euh, paire de chaussures, et pour ne pas la citer, vous prenez la dernière euh, paire de chez Decathlon, la KD900X. Je dis ça parce qu'on travaille beaucoup avec, des, avec Decathlon. Euh, cette chaussure euh, peut vous faire gagner entre une à deux minutes tous les 10 km si vous faites euh, un marathon. Donc, euh, entre, euh, entre acheter la chaussure et comprendre euh, comment elle fonctionne et pourquoi elle est si. Euh, efficiente. Euh, voilà, c'est le métier de, du, de la vulgarisation scientifique, de pouvoir expliquer tout ça simplement. J'espère que tous les exemples que je vous ai donnés euh, sont parlants et sont simples à comprendre. En tout cas, moi, je, je, je l'espère. <laughs> et si on se euh, concentre plus sur toi et ton métier, euh, tu nous as déjà dit pourquoi tu avais envie de faire ce métier-là. Euh, mais pourquoi... Pourquoi faire justement de la médiation pourquoi, as mieux, mais pourquoi en faire, de la médiation scientifique Il y a une part de hasard. Il y a une part de hasard. Je, 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 ne, je ne me suis pas levé un matin en me disant « Tiens Fred, tu vas faire de la médiation scientifique. » C'est un cheminement, euh, c'est un constat. Nous avons des produits quelquefois compliqués. Nous avons quelquefois des solutions euh, difficiles à expliquer. Et donc... Euh, encore une fois, avec toute l'équipe Com, on s'est dit, il faut qu'on développe des solutions pour expliquer simplement euh, cette, euh, ces, ces, ces innovations. Donc, euh, je ne me rappelle plus tout à fait de la question, d'ailleurs. <laughs> pourquoi moi, oui, pourquoi moi Comment faire de pourquoi Alors pourquoi moi je suis passionné par la médiation scientifique Parce que d'abord je suis passionné de science et la médiation scientifique c'est de la science et ce que j'aime dans la science c'est la méthode scientifique. On ne peut pas euh, se tromper avec la méthode scientifique puisqu'on suit une méthode pour arriver à un, à un cheminement. Quand on, euh, quand on, est, euh, quand on a l'esprit scientifique, on, 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 on a les clés pour expliquer. Le monde. Alors, c est, c est, ça, peut être, ça peut paraître un peu euh, présomptueux de, de dire ça, mais on a toujours plein de portes fermées devant nous tout au long de notre vie. Et moi, j'adore la, la, la science et la médiation scientifique parce que ça permet d'abord à moi de comprendre comment fonctionnent les choses et ensuite de pouvoir l'expliquer euh, parce que c'est de la transmission. On m'a souvent dit que j'aurais pu être prof. J'aurais, je pense que j'aurais adoré être prof. Euh, cette transmission permet, à mon tour, de pouvoir expliquer ce que j'ai compris. Cette fierté d'avoir compris quelque chose pour pouvoir l'expliquer à des élèves, à des candidats, à des clients. Alors les candidats, c'est quelque chose. J'accueille beaucoup, beaucoup de candidats euh, et euh, on n'a pas le même regard quand on rentre dans une boîte en ayant compris. Euh, la philosophie de ces matériaux que quand on ne l'a pas compris. Voilà, c'est très très important. Et quelles sont pour toi les, les étapes, pour toi et pour les médiateurs scientifiques, quelles sont les étapes de la médiation et quelles en sont les perspectives Alors, les étapes de la médiation, on peut pas, encore une fois, se parachuter en du jour au lendemain en se disant bah voilà, toi, tu vas faire de la médiation scientifique. On peut être très bon techniquement, on s'est aperçu. Euh, on peut être très très bon euh, techniquement, avoir fait les plus grandes écoles, et puis ne pas savoir vulgariser euh, quelque chose. Il faut, il faut un peu de... Il, il, il faut euh, cette qualité qu'on les profs, euh, qu'on appelle la pédagogie. Je pense qu'il faut de la pédagogie. Il faut s'intéresser euh, il faut être passionné par les produits de sa boîte. Quelqu'un qui veut être médiateur scientifique d'une société qui fabrique euh, euh, des choses compliquées, il faut avant tout bien sûr s'intéresser. C'est un peu compliqué parce que encore une fois, c'est une veille permanente. On fabrique tellement, on fabrique des milliers de produits. Je ne peux pas tous les connaître, mais j'essaye d'en connaître les, les, les grandes lignes. Euh, c'est un dialogue permanent avec nos chefs produits. C'est un dialogue permanent avec euh, euh, notre recherche, et je pense euh, à Armand Adjari qui euh, faisait une euh, qui faisait une conférence aujourd'hui euh, sur le Big et qui est le patron de la recherche euh, d'Arcema. C'est un, un dialogue permanent avec euh, avec les centres de recherche pour essayer de comprendre et encore une fois pour essayer. De... Donc voilà, c'est plein d'étapes. C'est première étape, je comprends. Euh, comment les choses sont faites. Et deuxième étape, j'essaye de, 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 de vulgariser euh, ces connaissances. Et troisième étape, je me lance et, et je transmets. Voilà. J'ai une question de Patrick Martin. Est-ce que les nouvelles technologies de communication ou l'IA, les produits complexes que nous L'IA utilise tous les jours, ne risque pas de supprimer les réflexions sur justement les connaissances scientifiques. Non, non, et je prendrai un exemple simple. Vous savez, quand, euh, euh, quand on a inventé à la fin du 19e siècle euh, la photo, on s'est dit, c'en est fini des peintres. En fait, il y a toujours des peintres. On est complémentaire avec l'IA on aura toujours besoin euh, d'assistance. Euh, je vais vous donner un exemple simple. Il y a quelques années, on fabriquait une usine en, fa en, en faisant des plans des plans, du, des plans, voilà, des plans de génie civil. Et puis euh, on montait euh, une unité de fabrication de génie chimique. C'est très compliqué. Il y a des stockages, il y a des pompes, il y a des surpresseurs, il y a des tuyauteries, euh, il y a des prises de contrôle, il y a des réacteurs. Et euh, aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à l'IA, on est capable de fabriquer cette usine de façon complètement virtuelle, de se promener dedans et de dire aïe ». Là, je touche avec ma tête, il faut que je change. Je ne l'avais pas vu euh, sur le, le plan que j'avais fait euh, de façon traditionnelle. Grâce à l'IA, je, euh, je peux améliorer euh, cette fabrication et on peut aussi euh, euh, faire exactement le même cheminement en recherche. Euh, on peut bien sûr continuer sur des paillasses. Euh, avec des tubes à essais à, à faire. Euh, Aujourd'hui, euh, la recherche se fait aussi et avant tout grâce à l'informatique, grâce à la simulation, grâce aux mathématiques, grâce à la physique et grâce aux équations. Donc euh, non, l'IA ne va pas, à mon avis, euh, supplanter tout ça. Au contraire, l'IA va nous aider demain. Euh, et vous savez, hein, on aura toujours besoin d'humains. Euh, on aura toujours besoin d'humains pour expliquer les choses, pour expliquer la vie. Euh, il faut absolument garder d'ailleurs ce, 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 ce fil rouge humain euh, dans, dans nos sociétés. Ben, sinon, ben, ce ne sera plus rien. On reste chez nous et on fait, de, on fait du home office tout le temps. Et en quoi penses-tu du l'IA va permettre de vous aider euh, en tant que médiateur scientifique Alors en tant que médiateur scientifique, on pourrait très bien imaginer que le prochain showroom ou dans ses versions ultérieures sera assisté par un robot, un robot qui sera euh, doté d'une version de chat GPT euh, avancée, euh, un robot peut-être avec une tête humanoïde euh, qui n'aura pas la tête de Fred mais qui aura une tête de robot. Et qui pourra, euh, en, con, en, en, en complément d'une visite euh, humaine, euh, qui pourra euh, euh, supplanter et expliquer euh, euh, rapidement euh, nos innovations. Mais vous savez, on dit, on parle d'intelligence artificielle. Pour moi, l'intelligence artificielle n'existe pas. Euh, C'est simplement il ne faut pas oublier que l'informatique, c'est la construction de d'informations automatiques. Euh, L'intelligence artificielle, ce n'est jamais que des zéros et des 1 qu'on met dans une mémoire et qui va servir l'homme. Euh, je ne pense pas que je verrai de mon vivant euh, un, une, une émotion dans une musique classique générée par IA. Voilà, je continuerai à écouter du Mozart, je continuerai à écouter du Chopin, du Brahms et du Beethoven. Et ça, c'est purement de l'humain. Mais par contre, effectivement, encore une fois, un outil supplémentaire, une espèce de couteau suisse qui va nous aider. L'IA, il faut s'en servir comme ça. Ça va nous permettre peut-être de faire des choses euh, que l'homme ne peut pas faire. Euh, et dans la médiation scientifique, ça permettra certainement euh, d'améliorer euh, la, 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 la transmission de ces connaissances. Euh, moi, j'ai hâte. Je, je n'ai absolument pas peur de l'IA. Et enfin, pour finir, quels conseils euh, pourrais-tu donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui souhaiteraient être ou qui le sont, euh, médiateurs scientifiques euh Très souvent, oui, très souvent, on, on me contacte sur, euh, sur par mail, on me contacte sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Euh, voilà, je vous suis, j'aime bien ce que vous faites, j'aimerais à mon tour être médiateur scientifique. Et donc, euh, je, je leur dis, euh, c'est parfait, c'est très bien, euh, commencez déjà par vous intéresser à la science, commencez par essayer d'expliquer autour de vous. Euh, commencez par écrire des articles, commencez par euh, transmettre à vos proches, euh, et ensuite, voilà, vous pourrez. Ça, ça se fait pas, c'est pas quelque chose encore une fois qui se fait du jour au lendemain. Il n'y a pas une école, il euh, n'y a pas une école de, de médiation scientifique. Il y a des écoles de communication, ça peut aider, mais encore une fois, c'est pas parce qu'on suit. Euh, un cursus en communication qu'on peut euh, du jour au lendemain être médiateur scientifique. Ça demande, je l'espère, un peu plus de, de connaissances, ça demande un peu plus de travail, euh, ça demande euh, des heures d'apprentissage, ça demande euh, des heures de lecture. Euh, lisez, informez-vous, euh, soyez curieux. Merci. C'était très très intéressant. Merci à tous et à bientôt. N'oubliez pas, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux pour en connaître un peu plus sur les produits Arkema.